Ce flambeau représente pour moi, en toute humilité, la continuité du combat de libération de notre peuple. Il symbolise pour moi également la nécessité de poursuivre l'œuvre que Sankara et ses compagnons ont entamée et qui a été malheureusement arrêtée un certain 15 octobre 1987. Il symbolise la nécessité pour la jeunesse de se prendre en main, de comprendre que personne ne viendra changer ce pays pour nous. Personne ne viendra nous apporter le développement, personne ne viendra nous apporter le bonheur. Seuls nous-mêmes, à travers l'intelligence collective, pouvons travailler à l'avènement d'un Burkina juste, prospère, démocratique, puissant et respecté dans le Conseil des Nations. Et notre conviction, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie pour sortir notre pays de son sous-développement, de sa misère, de ses souffrances, que celle tracée par Sankara et ses compagnons. Et c'est ce chemin-là que nous entendons prendre et c'est ce chemin que nous invitons l'ensemble de la jeunesse burkinabé et africaine à emprunter pour sortir nos pays donc, du sous-développement afin que nous puissions lever la tête devant les autres peuples également.